Allez, on passe désormais au cadet. Les U17 entrent en scène, c'est la première demi-finale. Il y a Martinez en plein centre, le pilote de Compiègne, deuxième lors du Challenge France à Strasbourg. Jette un coup d'œil à gauche pour vérifier où est l'état de Vasseur, le pompier au maximum. Chose efficace puisqu'il est désormais en première position. Il y a Martinez juste devant Ethan Vasseur. Oh, Ethan Vasseur a accéléré juste après la double. Il vient de reprendre l'avantage par l'extérieur. Il y a Martinez relégué désormais à la deuxième place. Il y a Steve Perru qui s'en sort bien depuis les quarts de finale et qui est désormais à la troisième position, alors que Valentin Trioux va tenter d'être le dernier qualifié au profit d'Alexis Dubocage qui sera éliminé. Victoire d'Ethan Vasseur dans cette demi-finale. Allez, la deuxième demi-finale dans cette catégorie U17, les quatre dernières places à aller chercher. Ouais, il y a une belle sortie là de Nathan Pouchy, le pilote Denis. Ah, s'il y a des supporters Denis autour de la piste, c'est le moment de faire du bruit, voire même des supporters profilaires. En tout cas, c'est bien lui, donc, pour l'instant, qui est à la première place avec Titouan Perrier, le local, le pilote de Compiègne de Clermont. Pour l'instant, lui, à la deuxième position. Et derrière, on essaye de revenir également. Il y a Mathias Roton qui essaye de s'infiltrer pour peut-être aller chercher une éventuelle quatrième place. Alors que, par contre, la troisième position, elle est pour Liban de Lucri. Le pilote d'Etri est devant toujours, ça ne bouge pas, bien évidemment, c'est toujours le club Denis représenté là par Nathan Pouchy qui va s'imposer donc dans cette demi-finale.